Nang's Reborn. Wow! Mais qui sont les femmes étrangères? D'où viennent-elles? Qu'est-ce qui les caractérise? Nous allons juste prendre un élément dans cette vidéo. Analyse de Nang's Reborn. Si vous n'êtes pas abonné, mes frères et sœurs, cliquez sur l'abonnement de cette vidéo, cliquez sur la cloche d'activer et préparez-vous tout simplement pour la prochaine vidéo. Mes frères et sœurs, ça va être chaud. Nous sommes bel et bien sûr Nang's Reborn dans notre vidéo analyse. Et des images vont défiler juste là devant nous et nous découvrirons des choses hors du commun, des choses que nous ignorons. Franchement, mes frères et sœurs, nous vous garantissons que quand vous verrez ces choses, vous pourrez même être choqués. C'est pas notre but, mais c'est possible que ça arrive. C'est pourquoi nous vous prévenons ici. La notre intention n'est pas de vous blâmer ou vous embarrasser. Non. Nous voulons juste vous montrer des choses à ne pas faire. Aujourd'hui, nous voulons être jolies. Les femmes veulent être belles. Malheureusement, elles copient tout sur le monde. Même les femmes chrétiennes. Celle-là même qui devait montrer l'exemple, elle copie tout du monde au point où les sirènes se mettent tout simplement à se poser des questions de savoir mais sont-elles réellement des chrétiennes ou des agents de Satan. Ici, nous allons voir des femmes. Des femmes qui vont tout simplement faire des choses vraiment bizarres. Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est possible? Est-ce que une femme de Dieu, celle-là même qui a la crainte de Dieu, peut-elle porter toutes ces choses? Nous allons tous découvrir tous les éléments-là ici. Ok, assez bavardé. Regardons maintenant la première image. Regardez ça. Yes! Qu'est-ce que c'est? On voit une femme qui est juste là devant nous. Et on voit juste à côté des trucs qui ont l'air d'être comme des boucles d'oreilles. Je dirais même des boucles de nez. Mais que se passe-t-il? Ce qui se passe, c'est que cette femme utilise ses boucles d'oreilles, bon, ses boucles de nez, pour les mettre tout simplement dans son nez. Juste là, ici. Et c'est une nouvelle dimension. C'est une nouvelle manière de s'habiller. C'est un nouveau style. Est-ce que cette histoire que vous êtes en train de voir à l'écran, est-ce que ce sont des choses qui viennent de Dieu ou des démons? Est-ce que Dieu approuve le fait que ces femmes, ces filles, mettent de telles choses sur elles? Franchement, ce n'est pas une chose de mon affaire. On a parlé de veau d'or même dans la parole de Dieu. On a vu comment les gens ont pris les bijoux, ceci et cela pour positionner. Pourquoi on les font? Pour les donner aux gens qui devaient faire les veau d'or. Pourquoi on les font? Mes frères et sœurs, vraiment, ils ont vraiment fait des choses bizarres. Et ces choses-là continuent encore d'être mises en position dans notre monde. Et ça se manifeste ainsi. Regardez encore. Waouh! Et là, ce sont des diamants, on dirait. Elle a du diamant sur le nez. Mon frère, ma soeur, nous allons te dire, ce genre de choses, vraiment, il faut les éviter parce que ce sont des choses qui conduisent parfois en enfer. Nous avons reçu un témoin sur ce point, un témoin puissant, où il y a une femme qui a dit que, à cause d'une petite boucle d'oreille, une femme est allée en enfer. Que se passerait-il si une femme ordinaire, une femme comme nous, met tout simplement de telles choses sur son nez? Apparemment, dans le monde, qu'est-ce qu'on dit? On dit que c'est censé être pour les oreilles. Mais quand on décide de le mettre sur le nez, là, ça devient compliqué. Franchement, moi, je suis dépassé. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, il faut que nous en parlions ici, pour que mes frères nous disent clairement ce qui ne va pas. Pourquoi on les met sur le nez, même sur la bouche? Et ça s'appelle les piercings. Ah! Est-ce que ça, c'est le style qui vient de Dieu? Dans la parole de Dieu, Dieu a demandé à ses serviteurs de ne pas marier des femmes étrangères. À cause de quoi?
à cause de leur Dieu, de leur faux Dieu, à cause des démons qu'ils adorent. Et ces femmes étrangères là, elles avaient ça sur elles. Ça les servait aussi d'ornement, hein, quelque chose qu'elles utilisaient pour se présenter devant leur faux Dieu. Sans ça, ce ne serait pas possible de le faire. Et ce sont des choses, ces choses-là qui ont été transmises, ce sont des choses qui ont été transmises depuis des générations jusqu'à notre ère. Et c'est ce que nous voyons ici, qui se manifeste de différentes manières, de différentes façons qu'on présente. Et quand on regarde ça, on sent que la beauté de la femme n'est pas trop mise en avant. Parce que moi, je ne vois pas où cette histoire-là, c'est joli. C'est même pas joli. C'est quand je regarde ça, j'ai l'impression que les gens veulent nous transformer en esclaves. Parce que moi, c'est pas que je suis en train de vous embarrasser, mais moi, quand je regarde ça, j'ai l'impression que c'est ça. Et même dans le passé, on a vu que la boucle d'oreille était réservée aux esclaves. Et ce sont des choses vraiment... Ces choses encore, les personnes quand même comme ça, et même sur le nez là. Vraiment, moi, pour moi, ce n'est pas vraiment joli même. À première vue, ce n'est pas joli. Après, quand on nous dit que ça nous rappelle les choses qui se sont même passées même dans la Bible, avec les femmes étrangères, toutes ces histoires, c'est comme si tu adorais même les faux dieux. Ah, mon frère, ma soeur, ça là, si tu as ça sur toi, moi je vais te dire de vraiment choisir. Choisis la bonne voie. Si tu es vraiment une vraie chrétienne et que tu veux vraiment laisser ça, nous t'encourageons. Regardez ça. Vous voyez que ça devient de plus en plus grave. Posez-vous la question de savoir, mais pourquoi les gens sont. Pourquoi les gens sont-ils obligés de s'attacher le cou comme ça, avec des bijoux, et à attacher les oreilles juste à côté, avec toutes ces histoires? Franchement, il y a quelque chose qui ne va pas quand même. C'est pas tout simplement parce que le diable veut se faire adorer, et les démons veulent se faire adorer par les humains. Et cette histoire de la parole de Dieu sur les faux dieux et les femmes étrangères, ça continue malheureusement. Regardez encore. Regardez ça. Est-ce que ça ne continue pas jusqu'à notre ère? Ça continue. Et c'est plus sérieux que sérieux. Regardez bien. Les faux dieux. Les bijoux tu portes sur toi de faux dieux. Et je ne sais pas. Elle est pas sur elle de faux dieux, je ne sais pas. Si nous faisons cette vidéo, c'est pour les personnes qui ne savent pas réellement qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est. Mais quand même, qu'ils se mettent tout simplement à la porter. Si vous portez de telles choses, franchement, sachez que vous êtes tout simplement tout adoré un autre Dieu que le Dieu vrai, ou encore votre vrai créateur que vous l'adorez. Ces choses, ce sont des choses qui appartiennent déjà aux sirènes, aux démons qui les ont eux-mêmes fabriqués, institués. Sont eux-mêmes qui ont révélé à ces personnes qui adorent la faux Dieu comment les adorer et ce qu'elles sont en train de faire. Cette grosse boucle qui se trouve même jusqu'au niveau sonné là, je pense que c'est sur les oreilles que les femmes les mettaient la plupart du temps. Mais aujourd'hui, regardez comment le diable a transformé toutes ces histoires. C'est de l'or, des choses précieuses. Waouh, vraiment. Quand je regarde ça, je ne peux pas vous dire que c'est pas toujours joli, non. Ici, comme vous pouvez le voir, c'est belle, c'est joli sur elle. Mais elle porte sur elle là. De faux dieux. Et ça, franchement, moi je vais vous dire que Dieu n'apprécie pas du tout ça. Il y a beaucoup de personnes qui disent que oh, Dieu ne regarde pas à ce qu'on met sur le corps. Dieu regarde au cœur. Oui, c'est vrai, Dieu regarde au cœur. Ahmed, elle a demandé aux femmes de ne pas s'habiller comme les hommes. Et elle a demandé aux hommes de ne pas s'habiller comme les femmes. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut tout simplement dire que notre grand Dieu, il aimerait vraiment que nous soyons purs et naturels, plus naturels que naturels. Si tu es naturel, c'est extraordinaire. Mais si tu as un élément même de ces éléments que tu vois là devant nous, sache que tu es tenté d'adorer un autre Dieu, ce qu'on appelle un Dieu étranger. Or, il y a la parole de Dieu, qu'est-ce qu'on en dit? Un commandement qui nous dit que nous devons adorer Dieu et Dieu seul. Même dans la parole de Dieu encore, on nous dit quoi? On nous dit que le diable est venu tenter le Seigneur Jésus-Christ. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a demandé à Jésus-Christ de se poissonner devant lui. Et lui donnerait tous ses bons trésors de la terre. Toutes ses histoires, toute la gloire, tout ce qu'on peut connaître. Mais il a refusé. Et il a même dit que nous devons adorer Dieu et Dieu seul.
Dieu était Dieu jaloux et il a besoin qu'on l'adore comme il se doit sans compromettre notre relation avec lui. Ouais, tu as porté des trucs pareils. Les démons vont venir dire, ah ma soeur, ce que tu as fait là, ça nous appartient, il faut nous donner tout ça. Qu'est-ce que tu vas dire ma soeur? Qu'est-ce que tu as dit mon frère? Vous êtes jolies, toutes les femmes qui sont ici, elles sont belles, elles sont plus belles que belles. Mais avec toutes ces choses, elles sont obligées de s'éloigner malheureusement du bon chemin. C'est pourquoi nous avons fait cette vidéo pour vous dire, mes frères et sœurs, si vous avez encore ces choses, nous vous disons la vérité, éloignez-vous de cela. Parce que ces choses-là vous amènent à adorer le foutu sans même que vous en rendez compte. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ne manquez surtout pas la prochaine vidéo. Nous serons en live témoin puissant. Et nous découvrons des choses encore extraordinaires. Qui sait, ça va être chaud. Abonnez-vous maintenant. Merci pour avoir là. Et surtout, partagez cette vidéo avec que d'autres personnes puissent découvrir que effectivement, ces choses ne sont pas bonnes à faire. Regardez-moi, est-ce qu'il y a un truc pareil sur moi? Mais je suis joli. Je suis même plus joli que joli. Toi, tu es jolie, ma soeur. Ne te fatigue même pas même. Tu te fatigues avec tes choses. Ah, ma soeur. Prends-toi au sérieux. Wow, c'est extraordinaire! Mes frères et sœurs, pour ne pas manquer nos prochaines vidéos, veuillez cliquer sur s'abonner si ce n'est pas encore fait. Cliquez sur la cloche pour l'activer. Et si vous voulez faire le don pour nous soutenir, c'est possible. En dessous de cette vidéo, c'est toutes les informations qu'il vous faut pour faire le don. Vous pouvez faire le don via Western Union ou encore PayPal. Wow! La suite.